Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous qui essayons de comprendre, nous qui se cassons la tête pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et il y en a tellement qui se passe. Il y en a tellement aussi qui s'est passé il y a longtemps, il y a très très longtemps. Et on n'a pas encore réussi à comprendre ce qui s'était vraiment passé dans le passé. <laughs> Ceci étant dit... On est à quelques jours de Pâques. Merci d'être là. On est le 20 avril, samedi, hein, samedi de Pâques, 20 avril 2019, 10h41, heure du Québec. Je faisais des petites recherches et je suis tombé sur. ça fait longtemps que je m'intéresse à ce sujet-là. Comme plusieurs d'entre vous, je suis convaincu. Hein, l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Égypte, l'histoire des pyramides, hein, ces grandes structures qui, encore aujourd'hui, soulèvent tellement de questions et excite l'imagination de tout le monde. Est-ce que c'est plus que ce que c'était? Est-ce que ces premiers là ont vraiment été construites quand on nous le dit qu'elles ont été construites? Pourquoi il n'y en a pas vraiment question non plus dans, euh, dans la Bible? Enfin, on va aller faire un petit tour, juste comme ça, parce que c'est le temps de Pâques, puis j'ai envie de vous partager mes... mes, euh, mes, mes, mes sentiments par, par, par rapport à tout ça. Et soulever des questions, peut-être, auxquelles vous avez des réponses aussi. Et on se poser des questions aussi par rapport à ce qui était vraiment les pyramides, est-ce que c'était vraiment des tombes pour des pharaons, ou il y avait d'autres intentions, comme dans une des hypothèses que je veux vous soumettre, que ça aurait pu être, d'abord, construite il y a beaucoup plus longtemps que ce qu'on nous, qu nous a euh, appris dans les livres d'histoire hein, euh, formels. J'aimerais vous rappeler que l'histoire formelle vient de nos dirigeants. Je hein? <laughs> n'ai pas besoin de vous rappeler qui sont nos dirigeants. Et est-ce qu'il y a... Parce que beaucoup, beaucoup de gens hein, se cassent la tête depuis longtemps, font des recherches, un travail acharné, et on arrive à des découvertes qui diffèrent de l'histoire officielle. Enfin, on va aller faire un tour là-dedans, on va aller faire un tour dans le monde de Tesla aussi, qui ont... Dans une des hypothèses, on relie un peu à l'origine et, comment dire, euh, la nature de ces pyramides-là, que ça aurait peut-être été des, des outils générateurs d'électricité. Enfin, vous avez peut-être entendu parler de ça, on va aller faire un tour d'abord au tout début. Pourquoi les pyramides ne sont-elles pas mentionnées dans la Bible? Et si toute, si toute l'histoire de l'Exode d'Égypte était une fausse histoire, et si nous pouvions prouver que c'est bien le cas. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu un moment où je ne me suis pas senti mal à l'aise avec l'histoire de l'exode d'Égypte des Israélites. En fait, ça nous vient du docteur Ashraf Ezat. En fait, mal à l'aise est un euphémisme, car j'ai toujours été irrité par cette histoire notoire de Moïse et de Pharaon d'Égypte. D'une manière ou d'une autre, cette histoire israélite ne semble pas pouvoir s'intégrer dans l'histoire de l'Égypte ancienne, ni dans mon esprit. Contrairement à la plupart des gens, je ne pouvais pas prendre cette histoire incroyable pour acquise. Chaque fois que nous disons l'exode, tout le monde reconnaît inconsciemment et instantanément l'histoire comme la fuite des Israélites dirigée par Moïse sous l'emprise du Pharaon impitoyable d'Égypte. Grâce à l'Église, à la synagogue, à la mosquée et bien sûr au film, Hollywoodien, cette histoire de l'Exode a plongé dans le subconscient collectif des masses si profondément que l'histoire de Moïse et de Pharaon est devenue une vérité historique presque inébranlable, place dans l'Égypte ancienne. Mais en réalité, rien dans le milieu de cette histoire n'indique que cela s'est passé en Égypte, à l'exception peut-être de l'association erronée entre Pharaon et roi d'Égypte. De même, rien dans les anciens registres égyptiens, ni dans sa tradition orale, ne dit ou même ne fait allusion au fait que ce conte de Moïse s'est vraiment passé en Égypte. Encore plus choquant est le fait que les anciens registres égyptiens ne se réfèrent pas au roi d'Égypte en tant que Pharaon. Oui, Pharaon n'a jamais été un titre pour le roi d'Égypte. Relier Pharaon à l'Égypte ancienne n'est qu'un mythe propagé par des siècles de mensonges produits par une interprétation trompeuse de l'histoire biblique. La seule raison pour laquelle nous connaissons l'histoire de l'Exode, que l'Exode s'est produite en Égypte, c'est parce que la Bible nous le dit. Nous continuons à croire que c'est le cas parce que, parce que les principaux égyptologues ont simplement adhéré au récit biblique et ont distraitement désigné les rois d'Égypte comme des Pharaons. Mais si nous examinons le texte hébreu que la Bible, actuellement entre nos mains, sert de référence, nous ne trouvons étrangement pas l'Égypte mentionnée comme étant le site pays de l'histoire de l'Exode. Toute la confusion tromperie a eu lieu lors de la traduction des histoires hébraïques araméennes en grec au troisième siècle avant notre ère. C'est à ce moment-là que l'Égypte a été détournée et placée de force dans la Bible hébraïque comme théâtre d'histoire historique israélite. Ironiquement, cet acte de duplicité s'est déroulé sur le sol égyptien et plus précisément dans sa légendaire bibliothèque d'Alexandrie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les pyramides et les temples égyptiens ne sont pas mentionnés dans la Bible? Savez-vous que l'Égypte est mentionnée dans la Bible environ 600 fois? Le nombre est à la fois phénoménal et déroutant car personne ne peut revisiter l'Égypte aussi souvent que jamais et ne se réfère jamais à l'une de ses anciennes icônes, les pyramides. D'autre part, avez-vous une idée du nombre de fois où Israël, Israélite, ont été mentionnés dans les registres égyptiens? Préparez-vous pour cette surprise, juste une fois. Ne sautez pas aux conclusions hâtives. Ce n'est pas notre preuve que l'Égypte n'était pas le pays de l'Exode. Ceci est plutôt un prélude à notre enquête, comme détaillé dans le livre. L'Égypte ne, ne savait ni Pharaon ni Israélite. Nous avons été nourris à la cuillère à l'idée que les Israélites ont été maintenus en esclavage pendant près de 400 ans, certains disent 260, en Égypte. Et pourtant, toute leur histoire sont dépourvues de toute trace d'influence égyptienne. De plus, et à notre grand étonnement, l'esclavage n'était pas une pratique courante dans l'Égypte ancienne. Dans Contrairement à la culture omniprésente de l'esclavage dans les récits israélites, l'Égypte ancienne n'a jamais créé de marché public pour le commerce des esclaves. Tout sur la culture égyptienne antique, son art, son, archi son architecture, ses monuments, ses gens, sa théologie, sa mythologie et son panthéon des dieux sont exceptionnellement forts et influents même à ce jour. Après un si long séjour au pays de la vallée du Nil, on aurait pu s'attendre à trouver une trace de l'influence culturelle égyptienne dans l'histoire et le récit israélite. Mais ce n'était guère le cas. Bien que les Israélites n'aient pas passé, passé que 70 ans dans la captivité babylonienne, cette courte période a été documentée à la fois par les Israélites et les Babyloniens. Et une référence à cela se trouve également dans les archives persanes. D'autre part, la Bible hébraïque affirme que les Israélites ont séjourné en Égypte pendant des centaines d'années et que nous ne trouvons aucune documentation extra-biblique, ni, ni aucune mention du séjour ou de l'exode des Israélites dans les registres égyptiens, ni des documents non égyptiens. Cela importe. Les histoires israélites ne mentionnaient pas, ne mentionnaient même pas les pyramides, l'une des merveilles de l'Ancien Monde. Vous ne, euh, vous ne pouvez pas rester aussi longtemps en Égypte sans prendre note des pyramides. La plupart des historiens étrangers et des chefs militaires qui sont venus en Égypte depuis la fin de l'Antiquité, tels qu'Alexandre le Grand, Strabon, Diodirus, Sic euh, Siculus et bien sûr Hérode, ont tenu à rappeler et à documenter leurs souvenirs et leurs commentaires sur le célèbre site. Mais quand il s'agit des Israélites, leur Bible hébraïque est totalement silencieuse à propos non seulement des pyramides, mais également de tout élément de la culture ou de l'architecture égyptienne. Antique. 70 ans de captivité à Babylone ont laissé des traces dans la culture hébraïque, le Tamil d'Hébreu et la Bible hébraïque. Les thèmes de la mythologie sumérienne et babylonienne, tels que ceux du déluge d'Adam et Ève et de l'arbre de la connaissance, peuvent être retracés dans le livre hébreu. Même des parallèles peuvent être établis entre la légende de la naissance du roi Sargon d d pardon et celle de Moïse. Le séjour de 400 ans, 400 ans en Égypte aurait dû laisser sa marque sur les Israélites et leur culture, mais cela n'a pas été retrouvé, car ils ne sont jamais allés en Égypte. Et non, l'argument qui prétend que les Israélites se sont abstenus d'être affectés par, le, euh, par les croyances et la culture païenne ne peut être considéré comme valable, car toutes sortes d'influences culturelles sumériennes, assyriennes et babyloniennes sont coincées dans leur Torah. Les comparaisons assez fréquentes entre le molé, monolé, monothéisme, pardon, du roi euh, Akhenaton et celui des Israélites également invalides, car le culte juif est tribal, militariste et privé de toute manifestation artistique authentique, alors que celle d'Akhenaton euh, était de nature universelle, croyance en un dieu suprême, célébrée par des œuvres d'art et d'architecture révolutionnaires. Outre Akhenaton, Aton était une divinité inclusive qui englobait tous ses enfants et non pas seulement une tribu spécifique du désert. Aussi difficile que vous puissiez creuser dans les histoires israélites, vous ne trouverez aucune influence égyptienne, pas un grain d'impact, sauf peut-être la mention du mot Pharaon. Et devine quoi, l'Égypte n'a jamais connu de Pharaon non plus. Qu'en est-il d'une révélation percutante réexaminer vos anciennes croyances pour savoir comment elles sont devenues vous sont venues vous définir en effet nous sommes limités sinon préconditionnés par nos vieilles croyances et histoires comme ils ont jadis sculpté notre passé ces mêmes vieilles histoires continuent de façonner notre vision du présent seul l'examen critique de certaines de nos anciennes croyances déterminera si elles conserveront leur autorité injustifiée sur nous à l'avenir si vous êtes un chercheur de vérité et que vous souhaitez découvrir la vérité qui est bloquée depuis plus de 2000 ans, vous voudrez lire le livre électronique du docteur As, Asra, euh, Asraf. Ezat d'Égypte ne connaissait aucun pharaon ni israélite. Donc, c'est intéressant. Je vous laisserai le lien de ça. Et ça nous amène hein, à quelque chose d'autre. Le véritable ange des grandes pyramides dérange gravement. Les preuves à guiser continuent de s'accumuler. Les Égyptiens dynastiques n'ont probablement pas construit les pyramides ni le Sphinx qui a subi une grave érosion hydrique. Les géologues expérimentés ont estimé que l'érosion hydrique et hydrique pardon évidente avait pris plusieurs milliers d'années de pluie, plaçant ainsi le Sphinx quelque part dans les derniers dans le dernier âge tropical de l'Égypte, voire éventuellement plus en arrière. Le Sphinx est incroyablement Ancien, et cela peut être prouvé. Et c'est euh, pas nouveau, hein, je vous en avais déjà parlé de ça. Maintenant, il y a une de ces, euh, une de ces euh, théories hein, qui, dont je voulais vous parler et qui relie les, les, ces pyramides en pyramide de guizé entre autres. Ah, on peut voir la. Le positionnement de ces pyramides-là, c'est vraiment euh, extraordinaire. Et avec le sphinx et justement l'étude géologique, sans l'ombre d'un doute, on peut déterminer que les pyramides, ces pyramides-là, entre autres, sont beaucoup plus vieilles que ce qu'on peut penser. Et c'est vraiment très. Ça remet tout en question. Hein, c'est vraiment hallucinant de réaliser ça. Et. Dans la construction de cette pyramide-là, entre autres, qui, on a prétendu être un cercueil mais pour un grand pharaon, mais ce qui n'est absolument pas le cas, on ne trouvait absolument rien, la fameuse chambre de, de la reine hein, euh, était complètement vide, il y a une théorie qui veut que peut-être on aurait, euh, serait servi, et le Nil, on aurait besoin d'un grand conducteur et une grande euh, conductibilité, conductibilité hein, et... La construction de ces pyramides-là euh, implique des euh, matériaux comme la pierre de lime et euh, beaucoup d'autres. Je vous laisserai le document de cette vidéo-là dans la boîte de description. C'est en anglais, mais c'est vraiment intéressant. Ça nous vient d'Anonymous Official euh, qui élabore cette théorie-là vraiment très, très bien. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne veux pas vous induire en erreur, mais c'est très bien construit, c'est très plausible et ça nous amène à nous poser des questions, vraiment des questions fondamentales hein, sur l'énergie libre. C'est de plus en plus euh, à la mode. Hein. On, on ramène beaucoup Tesla dans le portrait, Tesla qui aurait fait des découvertes majeures justement sur euh, l'électromagnétisme de la haute atmosphère et euh, la possibilité, déjà à l'époque, en 1897, D'utiliser ça et de, il avait créé des euh, composants pour justement utiliser ça. Il y a eu des expériences qu'il a faites en 1903 qui prouvent exactement et qu'il y a eu des, des témoins ont euh, corroboré les fait, le fait qu'il avait réussi à maîtriser cette euh, énergie hein, de la haute atmosphère et. Il faut, faut oublier que Tesla est mort dans la pauvreté. Le gouvernement américain a saisi tous ses, euh, ses, 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 ses travaux. On a détruit la... la il avait une tour, hein, La tour de Tesla. On a détruit ça en alléguant que c'était complètement bidon, qu'il était de connivence avec les nazis. C'est complètement fou. Tesla, hein? Son, son testament, hein? C'est. tourne autour vraiment de cette énergie libre et de cette possibilité de, de saisir cette énergie-là pour l'utiliser euh, à des fins euh, naturellement euh, quotidiennes. Hein? Et si on était allé dans cette direction-là, le monde serait différent aujourd'hui. Hein? Tu n'aurais pas les multinationales de l'électricité de l'énergie qui s'enrichissent et qui nous gardent esclaves de leur système. Alors qu'apparemment, j'aimerais savoir moi si, comment ça se fait qu'on est capable de se casser la tête hein, à faire des recherches pour savoir si une poignée, on finance des gens dans des universités, pour savoir si une poignée de tourner à droite et à gauche, pourquoi les grenouilles font ceci, pourquoi les crapauds font cela? Est-ce qu'il y aurait moyen? Il y aurait moyen de vraiment fouiller cette question-là et savoir est-ce qu'on peut donner l'énergie gratuitement? Est-ce que l'énergie libre existe? Pourquoi on ne s'est pas cassé la tête? Et pourquoi on a fait ça? ça De poser la question, ça prouve l'existence de cette énergie libre qu'on qu pourrait utiliser et capter dans la haute atmosphère. Vous avez vu la quantité d'énergie qu'il y a là. Et Tesla aurait apparemment, aurait, aurait apparemment percé ce mystère-là. Et ça ramène vraiment tout ça à ces pyramides aussi qui ont ce même principe, selon cette théorie-là, hein, d'avoir été des espèces de tours. De... de connexion et de captation de cette énergie libre-là, et que peut-être Tesla aurait découvert ce secret-là. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Je vous laisse le lien de la vidéo dans la boîte de description. Je pense que c'est important de se questionner. On sait qu'on se fait rouler, on sait qu'on se fait avoir. Et je pense qu'il y a une piste à suivre là-dedans. On sait que l'histoire, naturellement, est complètement manipulée. On sait que l'histoire est complètement... Euh, à la merci de nos élites qui veulent nous garder dans l'ignorance. Hein. Mais quand tu regardes ça, quand tu regardes cette histoire-là sous un nouvel angle, l'angle de ce que je viens de vous partager, tu te rends compte que vraiment, on est dans le néant, on ne sait vraiment pas ce qui se passe, et ce n'est pas rassurant pour ce qui nous attend quand je vous dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous attendent. On n'est pas sorti de l'auberge, les amis, mais je voulais vous partager ça en cette, en cette période Pascal, qui doit servir de période de grande réflexion. Je vous reviens avec plein d'autres euh, histoires comme celle-là.